Il y a Jojo, il y a Jojo. Ah, Jojo! Sans le tweet maintenant sur la piste avec les hommes de 19, 24 ans toujours. Attention à Monsieur Perrin Jordan de l'Orgent Leroy. Il porte le numéro 11. Capoyer à l'aile. Il y a également Hugo Le Tacadou. Hugo Le Tacadou de bien sûr, durant la semaine ici. Et c'est pour l'instant Perrin Jordan. Alors que le numéro 29, Hugo, il est quand même présent sur la piste et représentant le club de Quévert, Anaël Poirier. Pour Cartefou est présent également. Il occupe d'ailleurs la troisième position dans cette première manche qualif' de la race 128. Alors qu'on vous rappelle qu'il n'y aura pas de pause, on rappelle tout le monde en pré-gris pour la deuxième manche qualificative. Pierre Jordan de Nogent-le-Roi qui prend le large. On va retrouver également Baudouin Civil pour fonder le compte qui occupe la 3, la 4ème place. On s'accouscoule pas mal dans ce deuxième virage. Qui est vers toi? Salut de l'Orange fermé, quelques petits parties de petite pierre à cheval. En deuxième position, le Taco de Hugo qui prend la 2ème place. Derrière, ça revient également. Ça revient du jour de David Romain pour le cas de Saint-Nazaire. S128 dans cette catégorie 19-24 avec un gros départ pour le club Perrin Jordan de Nogent-le-Roi qui va être soutenu de Boyer, Anaël, du club de Cartefou. Et ça revient également, ça revient à l'extérieur pour la 3 et la 4. On va bousculer certainement un petit peu dans ce virage. On essaye de passer en dessous bien sûr pour aller chercher ces places importantes que sont la 3ème et la 4ème, peut-être qualificative bien sûr pour eux, avec Gasly Hung de Verneuil-sur-Eure qui cherche l'ouverture. C'est 129, on est bien parti avec le pilote donc qui prend la tête de séparation, c'est Jean. Voilà, c'est parti pour l'avant-dernière gamme de finale chez les 19-24 ans. Oh là là, je vais t'envoler tout seul. Hein. Allez, Jordan! Jean Leroy qui a pris la tête de ce marathon, Rémi Dupont-Delbon est dans le coup, mais attention Jean-Grenot Simon de La Roche-sur-Yon qui occupe actuellement la 3ème position. On tente de revenir par là, par l'intérieur avec une 4ème place. Mais attention Jean-Grenot Simon de La Roche-sur-Yon qui occupe actuellement la 3ème position. On tente de revenir par là, par l'intérieur avec une 4ème place. Vous voyez actuellement tout simplement un numéro 67, Nil Fouché d'Argenté. Il y a Nil Fouché d'Argenté donc qui va venir en 4ème position avec toujours Chantal Perrin de Nogent-le-Roi qui est en tête, qui relève un peu les pédales mais qui conserve la première position. Dernière carte finale. Et on a lâché la 232 chez les hommes 19-24 avec un gros départ bien sûr pour le pilote de Jean-Bruno Simon de La Roche-sur-Yon. Mais attention, ça va revenir derrière également avec le pilote de Tex, Wazdar Jazam qui occupe la 4ème position, Saint-Brieuc pour la 3ème place avec Robin Jama en 3ème position. On retrouve nos gens le roi Pierre Jordan qui occupe pour l'instant la 2ème position et Boton Sylvain pour jouer les tours. Sylvain jouer les tours qui occupe la tête de course et je pense que malgré l'effort. Robin Jama en 3ème position, on retrouve nos gens le roi Pierre Jordan qui occupe pour l'instant la 2ème position et Boton Sylvain pour jouer les tours. Sylvain jouer les tours qui occupe la tête de course et je pense que malgré l'effort pour le retour de la 5ème position, ce ne sera pas possible. Voilà, c'en est terminé avec les demi finales. Je vous avais promis le tirage de la tombola entre les demi et les finales. Et toute dernière finale de cette première nationale région nord-ouest. Il représente le club de l'Homme Maria, Jérémy Théantéa. Pour le club de Jouer les Tours, Sylvain Boton. Pour le club de Bolbec, Pierre Leroy. Pour le club de Nogent-le-Roi, Jordan Perrin. Pour le club de Bolbec encore, Benoît Lavigne.
pour le club de Saint-Brieuc, Benjamin Rau. Pour le club d'Enbon, Yann Rousseau. Et finalement, pour le club de Tex, Jason Boigard. Mesdames et messieurs, pour cette dernière finale, puis-je me permettre de vous demander le silence le plus complet. Nous pouvons prouver que nous pouvons faire ça également dans le public. Je ne voudrais plus entendre personne. S'il vous plaît, merci. À l'intérieur, c'est Jérémy. Jérémy Théo, Théo, Boton, Sylvain. C'est Sylvain Boton qui va partir en première. Jérémy Théo, Théo, Sylvain de Boton. Quelle fabuleuse finale. Merci de votre présence, amis du public. Dans 10 minutes, je vous retrouve au podium pour la remise des récompenses des trois premiers de chaque catégorie, car de la quatrième à la